Batman Space Cinematic Universe. Mettez-vous à l'aise, abonnez-vous et mettez ce fire dans le chat. Wesh le sang, comment ça va YouTube? M'a manqué. Aujourd'hui on est back sur milliardaire Sacha 13 ans, un anniversaire à 100 000 euros. Moi j'adore regarder des trucs qui me rappellent que je suis vraiment broke pour pas mal de monde. Donc vous, est-ce que vous avez eu déjà des anniversaires à 100 000 euros? Parce que moi c'est pas trop ma catégorie de prix là. YouTube, on va regarder ça. Let's go. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça risque de nous tous nous mettre en mode broke. Je pense que ça va être exceptionnel. Let's go. Oui, la demeure ancestrale des ducs de Sabran depuis plus de 1000 ans. Excusez-moi, faut que je fasse pause dès le début. Ça se voit, le gars, il parle pas en broke. Il parle pas comme moi. Genre, ça se voit qu'il a un langage de riche. Je sais déjà. Sa jeunesse, sa tendre jeunesse. Ouais. C'est ton château ici, Delphine. Avec ses 90 pièces, ses oubliettes et ses salles de réception, le château fait 3000 mètres carrés. Dans ses appartements du deuxième étage, Delphine a invité Mathilde, sa meilleure copine. Moi, je choisis jaune parce que ça va le mieux avec la peau. Mais le orange, ça va aussi. Mais le rouge, ça va. La chambre de Delphine n'a rien à voir avec celle des enfants. What the fuck? Moi, j'avais CR7 en poster chez moi. Pas ce monsieur-là, Yousk. T'es malade des coffrets. Trop fort. Les murs sont couverts de portraits de personnages historiques. Pour Delphine, ce sont de simples portraits de famille. Ça, c'est mon oncle. Et ça, c'est ma tante de l'époque ancienne. Ah oui, sa tante de l'histoire ancienne. Ok, d'accord. Cette tante en tenue d'apparat, c'est l'infante d'Espagne, Isabelle, souveraine des Pays-Bas au XVIIe siècle. Et des ancêtres aussi prestigieux, il y en a sur tous les murs. Dans la famille, il y a eu 4 reines. En vrai, des fois, je me réveille le matin et je me dis pourquoi mes ancêtres n'étaient pas comme eux. Putain d'ancêtres. Vous avez pas pu taffer au moins là, un minimum. La famille de Sabran a déménagé à Paris. La petite Delphine ne descend plus au château que pour les vacances. Elle a dû renoncer à sa vie de princesse. Pour Delphine, ça a été très dur parce qu'elle regrette sa vie au château, l'espace, les jeux, la nature, tout ce que ça représente. Pour la première fois, elle va passer à Paris son anniversaire et... C'est toujours une inconnue, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas les amis qu'elle avait. Allez, mais par contre, il va quand même faire un anniversaire à 100 000 balles, juste pour avoir des potes, c'est trop fort. Elle va s'attirer des potes, peut-être pas très legit, là. Le lendemain, dans le 16e arrondissement. Évidemment, je vous jure, même moi qui n'ai pas tant de connaissances sur Paris, je sais que le 16e, c'est l'endroit des riches. Retrouvons Delphine avec sa mère, la duchesse de Sabran, dans leur appartement. La fête d'anniversaire a lieu dans une semaine. La maman a invité toute sa classe de CP... Ce sera une fête déguisée sur le thème des princesses et des fées. Toute la classe. Vous êtes combien généralement dans vos classes en France? 20, 30, comme ça? Ok, voilà. Okay. Comme ouais, c'est moche. Ok, c'est chill, ok. Delphine a une passion, les robes de fées. Celle-là, elle est un petit peu trop rouge. Celle-là, elle est un petit peu trop rose. Je suis sûr que cette robe-là, c'est mon salaire, frère. D'accord. Donc, tu as choisi de porter. J'en veux une autre. Ah, une qui a rien à voir. Elle est plus jolie, hein. Cendrillon vibe. Delphine a insisté pour que sa maman lui achète toute la panoplie. Voilà, et la nuit... Une baguette magique et le détail qui fait toute la différence... Mais par contre, honnêtement, les Ray, même si je suis milliardaire, mais ah non, je sais pas trop en vrai. Vous, si vous êtes milliardaire, puis que votre enfant vous demande plein de trucs, est-ce que vous allez. Je vais pas dire oui à tous ses caprices, sinon il faut lui apprendre de travailler dans la vie. Chaussures de Cendrillon. Je sais pas. Magnifique, ces chaussures. Pour ses 6 ans, dans une semaine, ses parents lui ont réservé une énorme surprise. Ils ont fait appel à une société spécialisée pour organiser une journée d'exception à 3500 euros. C'est quoi ce titre mensonger là? Comme, c'est pas moi qui l'ai... C'est ça qui est écrit dans le titre là. Les parents dépensent des petites fortunes pour des fêtes de plus en plus extravagantes. Après 3000 balles, ça reste quand même beaucoup plus que tous mes anniversaires combinés, je pense, honnêtement là. Courbevoie en banlieue parisienne. La famille Taïeb s'apprête à célébrer l'événement le plus important dans la vie de leur... Ah ok, je pensais, ok, c'est plusieurs, il y en a un là-dedans qui est 100 000. Ah. Troisième fils, Yoni, il va avoir 13 ans. Dans la tradition juive, c'est la célébration de sa bar mitzvah, le passage à l'âge adulte. Salut. Ça y est. Delphine, la mère de famille, s'est démenée pour que la fête soit inoubliable. Elle arrive de chez l'imprimeur avec un paquet d'invitations un peu spéciales. Là, regardez. Non. Oh waouh. Yo la maman, elle s'est fait chier pour faire ça. Au bout de la table, c'est Yoni qui va fêter ses 13 ans. La qualité, elle est super. Non, bien. Pour inviter leurs amis, les Taïeb ont réalisé une parodie de magazine People. On a voulu faire quelque chose de complètement différent, un peu comme... Ouais. Non, mais c'est fort, c'est fait, hein, comme d'habitude, c'est notre leitmotiv d'être différent. Et en fait, on a fait donc un magazine sur le thème de la bar mitzvah commando, stage de survie, etc.
Ça, c'est la page tenue réglementaire, voilà, pour expliquer, en fait, que chacun comprenne qu'il doit venir, et c'est sans équivoque, habillé en tenue commandée. Trop beau, là. Une journée pour impressionner leurs invités, préparée dans le plus grand secret. Il n'y a personne le thème de la bar mitzvah. Les Taïeb ont invité 140. C'est une réunion présidentielle ou un anniversaire, là, je comprends pas. 30 personnes. Ça devient intense. Pour les épreuves de la journée commando, ils doivent les répartir en équipes de 8. Et chez les Taïeb, c'est aussi compliqué que d'organiser un plan de table pour un mariage. Non, mais ton frère, il va pas avec, hein. Si mon frère va avec. Mais le reste, ils s'éclatent ensemble, tu me le mets au milieu, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'aime pas organiser des anniversaires, des événements. Je sais pas si vous êtes dans le même vibe que moi à ce niveau-là, mais gros, organiser des événements, ramener des gens, frère, 140 personnes, c'est trop. Le lendemain matin, dans la forêt de Ponto Combo, à 60 km de Paris, les Taïeb viennent repérer la base de loisirs où vont s'affronter les équipes. Oh, dans deux semaines, ils l'ont privatisé pour toute une journée. Pour surprendre leurs amis, les Taïeb préparent cet événement depuis 3 mois. Ils ont cassé leur tirelire. Le budget, c'est environ 30 000 euros. Oui. On sait que tous les enfants n'ont pas cette chance, par contre. Tous les enfants n'ont pas ça. Non, mais props à eux, honnêtement, là, comme mieux aussi réussi, ça, s'ils ont les moyens de faire ça, props à eux. Dans cet immeuble, ils sont plusieurs à s'être réunis pour préparer leur costume. Ils ont reçu l'invitation et connaissent enfin le thème de la fête. Dans l'après-midi, ils ont été acheter leur déguisement. Donc dès qu'on trouve un accessoire, voilà, l'accessoire indispensable quand on est militaire, l'appel qui fait ouvre-boîte, voilà. Ah, voilà, 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 ça m'arrive. Cette surenchère autour des fêtes d'anniversaire vient des États-Unis, où le phénomène a pris une ampleur sans précédent. Oh, là forcément, aux States, ça va être 1000 fois pire, je sens. Pour une villa avec vue sur la mer, il faut compter entre 10 et 60 millions d'euros. Ah, ça va, c'est pas cher. C'est ici qu'habite la famille Swardlow, dans cette résidence de 500 mètres carrés, imitant un petit palais italien. Le père a fait fortune dans l'immobilier. Bonjour, Sacha. Ça y est, c'est ton grand week-end, il est enfin arrivé. C'est elle, Sacha. Sacha, la 100 000 balles. Sid, la mère, accueille les enfants qui rentrent de l'école. Pour toute la famille, c'est un marathon qui commence. Ils vont fêter les 50 ans de Sid et les 13 ans de Sacha. Sid, c'est pas le nom du gars dans l'âge de glace? Sid règle les derniers détails avec Jessica. Il y a des noms comme ça où je peux vraiment... où je me fais l'image automatiquement, alors c'est terrible. Hein. Nous préparons cette fête depuis 9 mois. Quoi? L'organisatrice Jessica, c'est elle. Pour ses 2 anniversaires... À croire, genre, tu finis son anniversaire, tu prépares déjà l'année prochaine, là. Yo, qui se sent pauvre, là, tout à coup? Retour à Paris dans le 9e arrondissement. Pour fêter son anniversaire, ce jeune homme a trouvé une idée singulière. Édouard a choisi d'inviter ses amis au bal des ambassadeurs. Une soirée très sélecte, impossible d'y entrer sans un beau déguisement. Cette année, le thème de la fête, c'est la jungle. Comment vas-tu? Très bien. Attends, rentre un peu loin, c'est juste rentre, mon vent. Tu vas rentrer avec ça en boîte, frère? Impossible, je rentre, moi. Qui rentre avec ça? Okay. Ça, c'est génial. Ça, c'est bien, c'est très bien. Voilà, je suis un peu plus viril. Édouard finit par choisir une cuirasse de gladiateur. Ses costumes rares ont un prix, 120 euros la location pour la soirée. C'est still broke par rapport à l'autre, comment ça s'appelle, là, Sacha, là. Sacha lui fait Deux jours plus tard, à quelques heures du bal des ambassadeurs, ce soir pour son anniversaire, Édouard a invité 50 personnes. Jusqu'au dernier moment, ses amis viennent chercher le précieux sésame, l'invitation et les badges pour entrer dans la fête. 50. J'ai tout mis là. Pour le bal des ambassadeurs, il a aussi le privilège d'être l'un des disques jockeys. Édouard ne sait pas encore comment il va se rendre à la fête. Car ses copains lui passe ont préparé pas par le métro, une surprise. Frère, passe pas par le métro en tout cas. Ah mon dieu, quoi? Édouard, je cherche. C'est moi. Ah voilà, c'est ça. Je suis en train de chercher un P4, parfait. C'est son Uber. Et ben, la voiture est annoncée. Après, il va chercher les autres. Pour transporter 2 personnes, c'est sûrement l'une des voitures les plus polluantes au monde. Mais elle est vraiment moche avec les trucs de Zeb par contre. Le bal des ambassadeurs a lieu une fois par an dans un endroit d'exception. Cette fois, la fête est organisée dans une ancienne carrière de craie. C'est un défilé de costumes sexy et loufoques sur le thème de la jungle. Sans déguisement, pas de fête. À l'entrée, Édouard accueille ses invités. On a dit quoi, 3h45. J'attends tout le monde vers 1h30 sur ce qu'on appelle The Dance Floor pour... Sur quoi? Le The, il m'a toujours explosé de rire. À quel moment il y a un Z? The? C'est pas si compliqué, genre pourquoi The? Virginia et Sybille, 2 invités d'Edouard, plongent dans la fête. Oh, wow. C'est sublime. Je vois rien et je veux faire une crise d'épilepsie. Oh, animé par des dizaines de comédiens.
Ça va le frérot, il fait que taper le cul des meufs là. Pendant ce temps-là, la régisseuse prépare une surprise. Le budget de ce bal des ambassadeurs est de 200 000 euros. Quoi ? Quoi frère ? Donne-moi 200 000 euros, je te fais un showcase de Travis Scott là. Quoi ? Tout ça pour 200 000 ? Pour fêter ses 30 ans, Edouard a donc profité d'une des fêtes parisiennes les plus créatives pour réunir tous ses amis. Nous retrouvons... Je suis sûr qu'il y a des gens dans cette soirée-là qui savent même pas si c'était la soirée de qui, genre. Ah bon, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Dans quelques heures, elle va fêter ses 6 ans. Mais avant cela... Et elle, c'est combien, 500 000 ? Elle a un rendez-vous important. Voilà où est la mademoiselle est à la banque, dans ce magnifique salon. Dans ce salon de coiffure, Delphine a ses habitudes. Malgré son jeune âge, elle vient ici 3 fois par mois. Pour son anniversaire, elle veut une coiffure de princesse. En fait, ça me tire un petit peu les cheveux. Ah bah, il faut me le dire. Eh ben c'est juste comme ça que je voulais la coiffure. Eh ben ça tombe bien. Moi je pense que ce serait bien comme ça. Ce que Delphine ne sait pas encore, c'est que son anniversaire va avoir lieu ici, au jardin d'acclimatation. Avec ses 20 manèges, son cirque et son club de cheval, ce parc de loisirs très chic attire chaque week-end 6000 visiteurs. Et là, il va utiliser tout le pavillon des oiseaux organise des anniversaires sur mesure pour les parents fortunés. Oh. Ah, oh. Le restaurant attire aussi des personnalités à l'heure du brunch. Ce jour-là, Carla Bruni. Je sais pas c'est qui. C'est la femme à Sarkozy. Ah ouais, genre vraiment, il y a des gens, je m'attendais pas du tout. Ah, en passant les rêves, vous voulez une anecdote? Vous connaissez Vince Kay, c'est un youtubeur, il fait tout ce qui est en lien avec le foot là, FIFA, tout ça. Et en gros, il m'a invité pour la première fois de ma vie, parce que je lui avais dit que j'avais jamais vu de match de foot comme en Europe, en tout cas, j'avais vu de vrais matchs de foot, alors que moi je suis un fan depuis tout jeune. Sur là, il me dit t'inquiète, bro, il me ramène au Parc des Princes. Vous connaissez le Parc des Princes, forcément. Mais là, le truc, le bro, Vince Kay est plugué, tu vois. Il m'amène dans l'endroit, la loge présidentielle, là où est-ce qu'il y a le président du PSG là. Comme il était juste à 3 rangées de chez moi, tu vois. Mais ce truc, c'est que devinez qui était à une rangée de moi, comme sur le côté, il y avait Sarkozy, les reilles. Et là, genre, comme j'envoie une vidéo à ma maman en Messenger, je dis, maman, regarde qui est à côté de moi. Elle me dit, oh, va lui demander un autographe. Je fais, genre, jamais de la vie, what the fuck. Vas-y, demande un autographe. Et fucking Sarkozy, genre, j'étais juste comme, what the fuck. Qu'est-ce que je fais là, genre, tu sais, moi, genre, streamer qui regarde des trucs, je suis à côté de Sarko, et ça avait aucun sens cette soirée-là. Chat à Vince Kay d'ailleurs, là. Rien que pour la location de cette salle et la décoration de ballons, il y en a déjà pour 800 euros. À l'entrée du parc, tous les élèves de la classe de Delphine sont au rendez-vous. Elle leur a demandé de venir déguiser. Delphine peut enfin faire son apparition avec sa robe de Cendrillon. En chemin, Delphine vit ses premières déconvenues de petite fille coquette. Désolé, c'est mon téléphone qui a déconné. J'essaye de faire comme si j'avais pas mal. Voilà, tu as raison. Ah non, non. Oh la pauvre, souffle pas. Ça j'ai jamais compris, là, vraiment force à vous les meufs là, ça je sais pas comment vous faites. Aïe, 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 aïe. Regarde, papa est là. C'est parti pour 3 heures de fête, mini discothèque, atelier de maquillage, spectacle de magie. 2, 3, un peu de ceci, un peu de cela. Top top. Alors, comme je vous disais. Un quoi? Ça, ce n'est pas vrai, regardez. Retour à Courbevoie chez les Taïeb, qui vont fêter les 13 ans de leur fils Yoni et sa bar mitzvah. Attendez, les rêves. Par contre, là, je vois. Il y a combien d'anniversaires là? Oh, c'est ça que je veux voir en vrai, genre. Dans la forêt de Ponto Combo, changement de costume pour la famille Taïeb. Leurs amis vont-ils jouer le jeu des épreuves commando? La première équipe arrive, ce sont les Leicester. Pour une arrivée fracassante, ils ont loué ce camion militaire avec chauffeur. Delphine n'en revient pas, ses amis ont joué le jeu bien au-delà de ses espérances. Alors là, je suis épaté. Alors là, c'est trop extraordinaire, génial. On va créer des events comme ça, vous êtes obligés d'être habillés comme ça, sinon goulag. Personne ne sait où est passé Yoni, le héros du jour. Ah, bah on s'en fout. Tout à coup, le voilà, suspendu à une tyrolienne. Ouais, c'est ouf, en vrai, c'est vraiment ouf. Les 140 invités sont répartis en 18 équipes. Et vous allez porter ces t-shirts à mes events. Première épreuve, le combat de paintball. Oh, lourd. Damn, c'est quand même fort, en vrai, un match de paintball comme ça en pleine nature. Retour à Los Angeles. Là, on va pas parler le broke language, on va parler riche langage. Le week-end langage. D'anniversaire de la riche famille californienne. Sid, la mère qui fête ses 50 ans, a invité les amis de sa fille Sacha dans cet institut de beauté. Elle leur offre à toutes un soin complet, une première pour ces adolescentes de 13 ans.
Même moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ce soir, c'est mon 50e anniversaire. Je ne sais pas ce que mon mari m'a préparé. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais je sais qu'on va s'amuser. Attends, c'est la fête à elle, là, tout à coup, je comprends pas. Pour la soirée, son mari Steve a loué un yacht à Newport Beach, le plus grand port privé du sud de la Californie, avec sa marina de 20 000 bateaux. Parmi les plus luxueux, le Endless Dreams. Wow. Ce n'est pas le plus petit, 3 étages, 43 mètres de long, avec tout un équipage à disposition. Sur le yacht, l'organisatrice a fait venir un traiteur, un éclairagiste, deux disc jockeys et des attractions. Il y a un étage pour le cocktail, un autre pour les parents et le troisième, réservé aux enfants. Bon anniversaire, Sid. Les parents rejoignent l'étage des enfants. Jessica a... L'étage des enfants, frère, on dirait une boîte de nuit, c'est fort. Transformé le yacht en boîte de nuit. Bah oui. L'événement majeur du week-end, c'est demain, les 13 ans de Sacha. Ah quoi, quoi? Ça, c'était juste le début en plus, hein, comme on est vraiment pas prêt visiblement. Non, mais je suis prête. Pour l'anniversaire de Sacha, ses parents ont loué toute une aile du Saint... Oh, what the fuck? Ok, là on passe au niveau supérieur, les reilles, là. Dans le salon, 50 personnes installent un immense décor construit sur mesure sur le thème du cinéma. La star, c'est Sacha. Sur les pelouses où se tiendra le cocktail, Jessica a fait construire une réplique miniature de New York. Ah bon? Un hommage aux invités qui ont fait le voyage depuis la côte Est. Damn, what the fuck? Une réplique miniature d'une ville, juste pour des photos Instagram. Dans les jardins de l'hôtel, de faux paparazzi accueillent les invités. Nous avons des célébrités qui arrivent directement de Hollywood. Angelina Jolie. Comment on va pas la faire à moi, là? Justin Timberlake. Vous vous êtes fait avoir, là, c'est pas les vrais. Mais c'est pas les vrais, ils ont contacté une agence, ils ont dit on a ça comme budget, vous inquiétez pas, on va vous les avoir. Même ta voix, elle est fake, frère. Non, tu forces, on sait que c'est pas toi. Ce sont des sosies venus tenter de gagner leur vie à Hollywood. Ça va coûter. Happy birthday. Les soirs d'eau et leurs amis se sont... Allez les raies tous ensemble, c'est comme un anniversaire à 100 000 balles, on se sent impliqués. Ils viendront longtemps de ces 3 jours de fête d'exception pour les 50 ans de Sid et Sacha. Les 13 ans de Sacha. Happy birthday to you. Bang! Dans le chat, dites-moi tout. Est-ce que vous visez ce genre d'anniversaire dans le futur? Bref, merci beaucoup à YouTube d'avoir regardé ce contenu vidéo ludique totalement incroyable. As always, you know, vous laissez le like, vous laissez le l'abonnement. Vous avez vu ça? C'était efficace. Anyways, on se dit à la prochaine, les reilles. Peace out! J'ai jambes sur mon Glock, ta mère a de la peine quand son poussin est off. Open shop dans un HLM, la bitch was fuck, c'est le cash qu'elle aime. T'es vraiment un plug, c'est Happy Land. J'avais de la drogue avant mon baptême. J'avais un Glock en maternelle.